Et parlons de nous à présent. C'est pour la toute première fois depuis l'existence de la chaîne du plaisir Ali Kassi, l'un des présentateurs du journal télévisé de cette entreprise audiovisuelle, a défendu son mémoire. Il s'agit bel et bien de Dan Muyambo. Images et commentaires. Cité meilleur journaliste et présentateur du journal de la chaîne du plaisir, Logos Télévision, le 11 juillet dernier, Dan Kabungu Muyambo n'a pas démérité. Finaliste des humanités en pédagogie générale au lycée Moussoufi, Dan Muyambo choisit la faculté des sciences de l'information et de la communication à l'université de Likassi, une île en sigle. Ce lundi 25 octobre 2021, l'homme habillé en costume noir, chemise blanche et cravate rouge a défendu son mémoire sur l'étude analyste de la communication interne d'une entreprise de l'État et cas de la DRH4. Notre travail était délimité du point de vue chronologique de l'année 2018 à l'année 2020 et du point de vue temporaire ou spatial, nous avons utilisé l'antenne DRH4 Likassi. Afin de donner à notre travail une charpente, nous l'avons subdivisé en trois chapitres. Le premier chapitre est le cadre conceptuel ainsi que théorique, étape au cours de laquelle nous avons défini les concepts fondateurs de notre sujet, qui est la communication interne, l'entreprise publique, l'étude analytique ainsi que la théorie systémique. Le deuxième. Au bout des 5 ans d'études universitaires, couronnés de succès, ce jeune passionné du micro a répondu avec brio aux questions du jury en présence de sa famille biologique et des Logos Télévision, sa famille professionnelle. En œuvre de moyens ou encore de matériel qui va mener à ce que l'entreprise soit productive. Parce que nous parlons de l'économie, là on voit la production. Après sa brillante défense, Dan Muyambo, surnommé Monsieur la Joie, s'exprime en ces termes. En tout cas, je me sens très heureux, je suis dans la joie, une grande joie d'avoir fini aujourd'hui mon parcours et j'ai exposé sur l'étude analytique de la communication interne au sein de l'entreprise de l'État. Je parlais sur la DRH4 Likassi, le parcours a été long, enfin nous sommes arrivés. Nous disons merci au bon Dieu, nous disons merci à ceux-là qui nous ont soutenus, merci à tous ceux-là qui nous ont conseillés, merci aussi à Madame Ege Tchala qui n'a cessé de nous encourager. La chaîne du plaisir présente ses vives félicitations à son agent qui est Dan Muyambo.